Ceux d'entre vous qui fréquentent régulièrement le site et le blog, le lieu des questions-réponses, ont pu remarquer que certaines questions tournaient autour de l'existence d'un mystérieux sulfureux personnage que l'on nomme le diable, le démon, le Satan ou les démons. Nous allons oser nous risquer à entrouvrir ce chapitre. Je ne ferai qu'amorcer la bombe, je suis sûr qu'il y aura moult réactions qui me permettront de revenir sur le sujet. Car effectivement, nous sommes dans une situation paradoxale. On se souvient de cette boutade d'André Malraux, Dieu a disparu, mais le diable est resté. C'est vrai et pas tout à fait vrai. Expliquons-nous. Là où le Dieu transcendant, le Dieu judéo-chrétien, a peu à peu été oublié, disons-le ainsi, curieusement, il n'est pas faux de dire que le démon, lui, il est resté. Il a pris une place de plus en plus importante. Oh, bien sûr, on a corrigé son visage, on lui a fait un petit lifting à gauche et à droite en passant, on lui a donné un visage beaucoup plus sympathique. Mais n'empêche qu'il a du succès. Je ne pense pas seulement aux sectes sataniques, je pense aux travaux dans l'occultisme, nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir, où il est présenté comme, disons, le pendant obscur de la lumière, un peu comme Yin Yang, Saint-Michel et Satan. Et curieusement, là où le Dieu judéo-chrétien a gardé toute sa place, je pense à la théologie chrétienne, voilà que Satan est contesté. Son existence, j'entends bien sûr, est contestée. Ça vaut donc la peine de oser nous glisser entre le marteau et l'enclume, essayer de voir un peu ce qu'il en est. Commençons par, c'est ce qui nous concerne immédiatement, la position, je ne peux pas généraliser, mais de certains théologiens qui se posent la question, mais qui légitiment aujourd'hui de maintenir l'existence du démon. Sur quoi se fondent-ils pour mettre en cause l'existence du démon? Les arguments en général sont que l'attitude de Jésus par rapport à ce problème n'est pas assez claire pour que nous puissions considérer que ça fait partie de notre foi. Deuxième argument, il s'agirait d'un langage mythique ou mythologique, un langage emprunté à la littérature juive intertestamentaire, un langage symbolique pour dire les grands combats intérieurs de l'être humain, mais qui n'aurait pas de réalité ontologique, qui ne renverrait pas à une réalité ontologique. Autre argument que nous pourrions multiplier, voilà les principaux arguments. Comment allons-nous faire? Bien, nous recevons notre. Oui, le troisième argument que je dis tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de texte de magistère qui définisse l'existence du démon. J'allais dire heureusement, car les définitions du magistère tentent à éclairer l'existence de Dieu. Nous croyons en Dieu, nous ne croyons pas au démon. La foi, le mot renvoie à amen, solide, la foi c'est ce sur quoi je construis ma vie. Nous ne la construisons pas sur le démon. Je dirais, je sais par la révélation que le démon existe, mais je crois en Dieu. Cet argument-là, qu'il n'y a pas de référence explicite du magistère, nous y reviendrons aussi. Quel est le chemin que nous allons suivre dans notre enquête? Il n'y en a pas 36. Il est forcément d'aller voir du côté des Écritures, du côté de la tradition, et puis du côté du magistère auquel je faisais allusion à l'instant. Puisque la révélation, Dieu se révèle, Dieu éclaire l'homme à travers ces trois avenues, Écriture, tradition, magistère. Commençons, si vous voulez bien, par les Écritures. Je ne prétends pas faire œuvre exégétique, ce n'est pas le contexte dans un entretien ainsi très simple entre nous. Nous n'allons pas sortir nos livres, citer des versets, mais juste quelques allusions. Ainsi donc, l'argument majeur serait que Jésus a utilisé un langage emprunté à la littérature juive intertestamentaire, très apocalyptique, qui effectivement nous propose des hiérarchies angélique et diabolique, même des topologies pour les anges et les démons, et même des scénarios qui nous expliquent la chute du démon, etc. C'est vrai qu'il y a là une littérature foisonnante. Et l'argument serait de dire, Jésus a emprunté cet, disons, imaginaire collectif et cette opinion dominante de son époque. Or, je ne crois pas que cela tienne devant une étude des textes. Nous savons fort bien que les pharisiens et les sadducéens n'étaient pas du tout d'accord sur ce point. Vous vous rappelez que saint Paul va d'ailleurs tirer profit de cet antagonisme pour se sortir d'un mauvais pas lorsqu'il est arrêté. Je trouve ça dans les Actes des Apôtres.
Il va lancer le débat sur la résurrection. Immédiatement, sadducéens et pharisiens se divisent et les actes des apôtres précisent que les sadducéens ne croient ni à la résurrection, ni aux anges, ni aux esprits. Ainsi donc, nous étions loin de l'unanimité du temps de Jésus. Si Jésus avait voulu se situer pour ou contre, il aurait pu très bien donner raison aux sadducéens ou aux pharisiens. D'ailleurs, je ne crois pas que lorsque le Verbe se fait chair pour nous éclairer en matière de foi, en matière religieuse, qu'il cède à la pression de l'opinion de son temps ou du langage de son temps. Je ne crois pas que ce soit un bon argument. Ensuite, venons-en à certains débats de Jésus lui-même avec les pharisiens. Lorsqu'on reproche à Jésus de chasser les démons au nom de Belzéboul, s'il n'avait pas pensé à une réalité ontologique du Satan, il aurait très bien pu adopter l'attitude des sadducéens et dire « Mais réellement, vous croyez encore aux démons ?» Or, que fait Jésus? Il va argumenter, il va dire « Mais si les démons sont divisés, c'en est fini de la reine. Par contre, si moi je chasse les démons au nom de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est advenu. Ainsi donc Jésus oppose deux royaumes. Et je suis bien obligé d'opposer au réalisme du royaume de Dieu qui est présent dans sa personne, le réalisme du royaume des ténèbres auquel il l'affronte, il le confronte. Difficile là aussi de parler langage symbolique. Ce ne sont que quelques arguments que nous pourrions multiplier en voyant vers les paraboles nombreuses où Jésus fait allusion, pensez à l'ivresse, un ennemi, Satan qui a agité ça. Et puis les exorcismes de Jésus. Bien sûr, ce n'est pas, je ne prétends pas que c'est ce qu'il y a de majeur dans les actes de Jésus, les manifestations, dans les signes de Jésus. Mais je veux souligner que les exorcismes adviennent à toutes les grandes étapes significatives du parcours de notre Seigneur. Particulièrement, chaque fois qu'il y a des affirmations messianiques fortes. Ce n'est pas un hasard lorsque Jésus, que l'évangéliste, pardon, ce n'est pas un hasard si l'évangéliste signale un exorcisme à tel et tel moment du parcours de notre Seigneur. C'est fait partie de la révélation de son identité et du mystère de sa mission. D'ailleurs, nous voyons bien comment, depuis le récit des tentations au désert, surtout chez Saint-Luc, jusqu'à la Passion, ce combat est en arrière-fond. À la fin des tentations, dans Saint-Luc, l'évangéliste précise que le démon quitte Jésus jusqu'au temps fixé. Et ce temps est clairement déclaré au moment de l'entrée dans la Passion, qui est décrite par les quatre évangélistes comme une sorte d'étreinte, de corps à corps, entre les seigneurs et les puissances du mal, dont ils triomphent paradoxalement à travers un apparent échec, une apparente défaite, dont ils triomphent au matin de Pâques. Nous pourrions ainsi multiplier aussi bien les actes de Jésus que ses paroles pour montrer que pour lui la réalité diabolique est une réalité ontologique. Et saint Paul viendra confirmer tout à fait ce genre d'analyse. On peut prendre la lettre aux Éphésiens, bien sûr, le chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens, ce ne sont pas contre les hommes que nous avons lutté, c'est contre les puissances des ténèbres. La lettre de saint Pierre, attention, dit Pierre, première lettre de saint Pierre, chapitre 5, le démon, comme un lion que rugit, cherche qui dévorer. Ce ne sont que des images, elles sont particulièrement vigoureuses. Et si je reviens à la fameuse lettre aux Romains, où saint Paul semble personnifier le péché. En fait, lorsqu'on lit en détail cette lettre aux Romains, on voit très bien que saint Paul fait des parallèles avec le livre de la sagesse et avec le livre de la Genèse, particulièrement le livre de la Genèse, comment le péché est entré dans le monde. Il y a le péché et le Satan sont mis en parallèle. Pour saint Paul, le péché est une réalité personnelle dont je me rends coupable. Mais cette personnification du péché me fait voir en filigrane, derrière le péché de l'homme, un acteur, le Satan, qui me fait tomber dans le péché. C'est lui qui, le premier, s'est égaré et qui entraîne l'homme dans son égarement. Voilà la doctrine paulinienne résumée en quelques lignes. Nous pourrions ajouter bien sûr l'Apocalypse. L'Apocalypse étant, de par son style, plus proche de cette littérature intertestamentaire, j'argumenterai moins à partir de l'Apocalypse. Mais souvenons-nous quand même que Saint Jean est l'auteur.
lecteurs du quatrième évangile, et que c'est quand même dans cet évangile où nous entendons Jésus annoncer que le prince de ce monde sera jeté dehors, et qu'au chapitre 8, Jésus parle du père du mensonge qui est homicide dès les origines. Je terminerai encore une ou deux allusions. Rappelons-nous, au moment de la fondation de l'Église, si j'ose dire, lorsque Jésus dit à Saint-Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je fonderai mon Église, les portes des anges de l'enfer ne prévaudra pas contre elle. Et quelques instants plus tard, Saint-Pierre s'entend dire, derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Comme quoi cet antagonisme subsiste, non seulement du temps de la vie de Jésus, mais il va accompagner tout le temps de l'Église. Jésus dira encore à Pierre, 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 Satan, tu vas être criblé par Satan, mais j'ai prié pour que ta foi ne chancelle pas. Prions pour que notre foi ne chancelle pas lorsque le Satan essaie de nous faire croire qu'il n'existe pas.